je bénéficie pour rester parce que l'homme de Dieu va développer pour que tu puisses mieux comprendre. Donc tout à l'heure après le culte, vous attendez le service dans le groupe, vous gardez tous ceux qui veulent participer pour mieux comprendre vraiment quand on sait Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les retombées, quand tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe aussi. Tu vas vraiment comprendre ça pour que tu puisses prendre le Dieu à cœur. Et le prochain rendez-vous, c'est le mardi. C'est le mardi. La semaine-là, il n'y a pas eu culte du soir parce qu'il y avait gêne. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de culte du soir. Mais ce mardi qui vient, les culte du soir reprennent. Donc ce mardi, 19h, 20h, venez. Nous allons prier. Nous allons toujours intercéder comme nous avons l'habitude de faire. Et le jeudi, 19h, 20h, on doit être là aussi pour prier. Le samedi, de 9h à midi, tu as le temps, tu as un temps d'évangélisation. Dieu nous a appelés à ça parce que ce n'est pas forcément appel d'évangéliste. Dieu nous a appelés à ça tout le monde. Donc, tu as le temps qui vient 9h midi pour aller évangéliser avec les hommes de Dieu. Et ce même samedi, 19h, 20h, intercession, on vient encore pour prier pour que le Seigneur puisse soutenir nos différentes maisons. Et ce dimanche qui vient là, c'est une culte d'adoration. On vient pour adorer Dieu, pour dire les merveilles de Dieu. Donc, ce ne restez pas à la maison, venez. Les dimanches peuvent, ne restez pas à la maison, venez. Le Seigneur va encore se glorifier. Et ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que vraiment, prenez courage. La vie chrétienne n'est pas facile, mais avec le Seigneur, on tient toujours bon. Et puis, le dimanche passé, nous avons donné les dons en nature. Donc, le premier dimanche aussi du mois de juin, il y a encore les dons en nature. Donc, dès maintenant, commencez à vous préparer. Je vous en supplie, commencez à vous préparer jusqu'à ce que le premier juin va arriver. Au moins, chacun d'entre vous a quelque chose pour envoyer dans la maison de Dieu. Donc, c'est ce que je viens à vous dire. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et rentrez dans la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur pour sa servante. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci d'être là. Ce qui est important pour nous, après le culte, c'est les visites. Il faudrait qu'on puisse se visiter les uns et les autres. Beaucoup sont venus ce matin. Donc, faites la liste de remettre aux évangélistes. Vous aussi visitez. Comme ça, on a la liste, on va visiter aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, après le culte, il y a un séminaire qui sera donné. Je fais la volonté de Dieu. Ephésiens 6 à 8. C'est un thème très bon. On dit c'est un groupe musical. Et puis c'est vite. Il n'y a pas que ces deux mouvements qui font le service, qui sert Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Mais normalement, tout le monde devait rester là pour assister. Parce que c'est très important. Vous voyez bien. Servir Dieu, c'est un grand thème. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, vous voyez bien. Mais j'aimerais que vous soyez là après le culte pour suivre ce message. C'est très important. Gloire à Dieu. Dimanche prochain, invitons beaucoup de gens. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. On fait un culte charismatique, un culte rempli d'onction, rempli de révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est très important. Et on fait le programme. On va passer tous ces choses tout à l'heure. Gloire à Jésus. Alors, comme annonce aussi, j'ai dit ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Vous voyez bien. Cette église, Dieu est là. Ne la perturbez pas. Perturbe cette église en train de perturber Dieu. Dieu aussi va perturber cette personne. Vous voyez bien. J'ai vu une vision. Dans la vision, j'ai vu la soeur Emma avec son petit, son fils. Ils étaient sur dans une voie. Son petit était coincé dans un fauteuil. Et elle tirait, était sur, sans l'aide de personne. Et la voix de Dieu m'a dit. Que le temps a sonné. Comme son mari s'est levé contre lui, son nom, pour détruire son œuvre, alors lui, Dieu envoie un châtiment sur sa famille. Et c'est la première vision que j'ai reçue. Deuxième vision, j'ai vu Emma elle-même en face en fait de moi. Puis il dit, c'est pourquoi tu me la montres. Il faut bien la remarquer. Qu'actuellement, il a levé sa main sur elle. Donc, les sorciers de sa famille ont déjà enfermé son âme. Soit il est préparé trois coups, soit la mort, l'accident ou quelque chose de pire, il va arriver. Troisième vision, j'ai vu Ferdinand qui marchait pieds nus, quand on se nu, et qui parlait sur la rue. Dieu dit c'est la folie. Et ça, jusqu'à la fin de ce mois, si ce n'est pas, toutes ces choses vont arriver.
C'est ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas maudit quelqu'un. Je viens dire que ce que Dieu m'a montré et je vous dis, que cette œuvre-là, celui qui veut déranger sera dérangé par Dieu lui-même. Mais ne fais que la police que Dieu m'a montré. Et Dieu m'a montré, comment on appelle, le foyer n'a déjà couché à la maison sur un lit, il était malade. Dieu dit, c'est le temps qui a commencé. Et actuellement, ça a été dans mon groupe. Mais Dieu m'a dit une parole. Je n'ai pas apprécié. Mais j'ai dit, je comprends le frère. Dieu dit, il y a moyen de le pardonner. Parce que Dieu m'a dit, fais la parole de ce que Dieu m'a dit. Moi, je n'ai pas Dieu me dit de le pardonner. Lui, mais ça va arriver d'abord. Ça va arriver d'abord. Voilà, parce que ça, c'est la parole de Dieu. Ça. Alléluia. Ça, c'est important. Gloire à Dieu. Il y a un policier, une année où il y a ça, il a bouffé l'argent. Mais j'ai envoyé une fois un lieutenant. Il a essayé de passer derrière pour le courant. Et puis la fin de mon affaire. J'ai laissé comme ça. Mais Dieu dit, c'est le temps à ce que ce policier-là, il va quitter la police. Il va perdre sa fonction. Parce que Dieu m'a dit, il veut que la parole est la parole de Dieu. Je n'ai jamais dit ni I, ni point. Il dit que ce qu'il m'a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. À l'instant, tu dis à Jessica, Dieu dit. Je l'ai vu en vision devant moi. Elle est passée en flash. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi tu me vois? Jessica en flash. Il nous faut lui dire que elle joue avec son œuvre. Et elle mène la vie qu'elle veut. Et elle ne veut pas à l'église. Lui, Dieu veut la bénir, mais ce n'est pas comment la bénir. Elle dit, pour la commission. Il ne pas jeter quelque chose dessus. Ce qu'il m'a dit. Il n'a pas dit d'avoir la frappe. Il dit, il veut la bénir. Mais elle joue avec son œuvre, elle ne veut pas l'église et elle met la vie qu'elle fait. Donc lui, Dieu ne sait pas comment la bénir. Donc tu nous fais la commission. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. On reçoit l'évangéliste Jean-Jean. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà où mais nous vivons surtout parce que les personnes à mandater, je vois les responsables parce que le loyer, on ne peut pas dire qu'il peut désormais. Voilà donc c'est Ferdinand qui a pris la charge du grand frère de Dieu. Amen. Voilà donc je suis là. Le mois est fini. Tous les responsables du mouvement, je suis là parce qu'on a besoin de cet argent. La pression déjà a commencé. Donc je vous attends pour aller verser l'argent. Amen. Donc j'attends le président de la jeunesse, président des hommes, mouvement des femmes, je vous attends. C'est sérieux, je vous attends. Amen. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le coup de baptême. Tu es là, tu n'es pas baptisé après Amen. Tu viens occuper les chefs d'ici là. Et un homme qui va vous enseigner pendant 30 minutes. Vous allez partir. On a 3 mois, vous finissez le coup et puis vous allez au jour de baptême. Donc c'est tout. Et puis il y a aussi tous les présidents que le pasteur l'a dit, tous les responsables du mouvement, après Amen, donnez-moi la liste de tous les absents. Voilà pour que vraiment on puisse les visiter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais l'évangile à commencer dans la vie. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Je vais appeler des gens ce matin. Amen. Parce que l'église, il y a des gens qui ne savent pas. Nous faisons un travail dans le secret. Amen. Voilà. Pour la bonne marche de Dieu, nous faisons un travail. Alors, il y a des gens que nous devons croiser. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, si tu es concerné, après Amen, il faut que rapidement, on va se voir avec la maison. Mais je tiens à dire que une réunion qui concerne toute l'église, hein, a une influence sur une réunion qui concerne